Et salut à tous, mesdames et messieurs, c'est NXT89, on se retrouve pour Call of Duty Advanced Warfare. Ah bon, bah on s'est arrêté encore sur une défaite de ma part. Ouais, je sais. Ouais, non, mais quand je perds, je quitte, hein, j'arrête. Hein. Bon, bref. En tout cas, vous avez vu que ma chaîne s'est améliorée. Hein. J'ai un peu modifié mon background et aussi ma photo de profil. Donc voilà, bon, si vous aimez bien, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis. Bref, en tout cas, je sais pas si je vais rester longtemps sur Call of aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, on verra. On verra en fonction du temps. Enfin bref, en tout cas, on y va parce que c'est vrai que FIFA m'attend. Non, j'éconne. Bon, on y va. Alors, bon, j'ai un peu avancé hein, parce qu'en fait, ah oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais obligé de tout recommencer la séquence. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu avancé. Donc voilà, c'est pour ça. Donc soyez pas surpris. J'ai dû tout recommencer. Quoi. Avec le drone là, hein. Ça m'a bien énervé, mais bon, voilà. Dieu l'a voulu ainsi, c'est tout. Mais oui, il y a combien de grenades là? Oula. Ils sont combien? Ah, c'est toi qui parlais depuis tout à l'heure, hein. Oh non. What? Elle m'a quand même touché. J'ai pris cher là-haut, là. Ouh. Elles sont pas mortes, ces gens. Ouh là là. Mais comment ils meurent, eux? Oh, j'ai plus rien. Oh non, 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 oh non. Oh non, non, pas ça, non. Eh ben, j'ai dû recommencer, voilà. Mais c'était quoi leur truc, là? Waouh! Mais... En plus, ils meurent même pas vite, quoi. Waouh, j'ai pris cher! Oh là, mais c'est quoi leur truc, là? Parce que ton arme, là. Oh là là, mais ils sont trop, hein. Ah bah là ça va plus vite là. Michel, ouvre la porte. Les renforts Allez. Du KVA vont pas tarder. Ouvre la porte. Attention, le convoi d'Hadès se dirige vers le sud. Ennemi repéré dans le clocher sur... Ah Torres, tu peux répéter? Homme à terre, homme à terre. Un sniper dans le clocher. Merde. Un sniper nous a repérés. Je lance des fumigènes. On dégage. La fumée durera pas éternellement. Oula. Si je meurs, c'est de ta faute, hein. Saute de l'autre côté, je te couvre. Ta gueule. Ah ouais. On est en train de prendre cher, hein. Que tout le monde s'éloigne des fenêtres. J'ai pas de mourir, moi, mais plutôt. Ça fait de la distance à couvrir. Tu vas en premier ou tu me couvres? Non, j'y vais en premier. Allez, c'est bon. Eh bah ben, attends. Laurent, rejoins-moi, Michel. Oh, ça va être chaud, là. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. Ouh. Et le sniper. Oh là là, mais dépêche-toi! Bah, je suis comment pour te couvrir? Mais je peux même pas le viser! C'est quoi cette arnaque là? Couvre-moi, mais attends, mais je peux même pas le viser lui! Arrête pas de tirer. Ouais, je vais prendre cher là! Allez, oh, mais dépêche-toi, il y en a! Ah bah j'ai tué? Ah non, pas du tout! Le sniper ne pourra pas nous viser dans la rue. Hein? T'es parti où? What? Elle est où, Ilona? Arrête de lambiner et saute! Bah t'es où toi aussi? Ah, faut sauter. Ok. Des drones du KVA, à couvert! J'en ai marre, moi. Hein. Y'a trop de drones. Oula!
Mais pourquoi vous mettez là, madame? Oh, mais là, combien là? Oulala! C'est beaucoup, messieurs là! Oh là! Oh là là! Non! Comment on fait là? C'est quoi l'IEM là? Droite, non? Ah bah je peux rien utiliser de toute façon, hein, dans tous les cas. Ah d'accord, je vois ce qu'elle veut dire. Ah j'ai pas, mince. Utilise ta grenade IEM. Ah bah excuse-moi mais trop tard. Drone abattu, continue d'avancer vers le sniper. Wow. On prend pas un vélo? Non. Wow. Dans le restaurant. Oh là là, mais il me perturbe. Dans le hall d'entrée. Prophète, je vois Torres. Il est touché. Bien sûr, bravo. J'envoie un médecin. Trouvez Rivers. Il a le Stinger. Merde. On a besoin de ce Stinger. Viens. Il est mort, Torres, les gars. Voilà Rivers. À l'étage. Il nous faut ce Stinger. Je te couvre. Ah, tu me couvres. Bah, vas-y vite alors. Ouh, il m'a mis cher là. Oh là, il m'a mis cher là. Ouh. Oh punaise. Oh, je vais ramper là parce que là. Ah, comment, c'est quoi ce fil là? Et c'est quoi avec? What? Mais c'est quoi ce truc majeur? Mais c'est quoi? Mais. Hein? Eh, j'en ai marre qu'on m'explique rien du tout là. Hein. Détruire, ah oui d'accord, mais attendez là, il y a qu'on soit en dessous des. Attends, on va faire un grenadier UM là. Hop, voilà. Voilà, faut commencer à me saouler là. C'était le dernier drone. Allume-moi ce sniper. Ok, bah attends. Oh non, mais. Sérieux? Comment j'en ai marre de mourir dans le jeu, sérieux. Ah bah attends maintenant, je suis me cacher là. Il faut se saouler, sniper là. Hein. Toi, tu vas voir. Toi. Mais avance. Mais il me tire d'autres pour me viser comme ça. Et ils sont pas morts. Putain. Me saouler, allez. Voilà. Ah bah attends. Punaise. Il est mort là? Mais à couteau, mais qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai eu. Cet enfoiré. Bravo. Ouf. Le convoi d'Hadès est à 4 minutes du point X. Bien reçu. On se dirige vers le point X. En route. On se dirige, mais on va où là? Oh. Aide-moi, Mitchell. Ah, d'accord. LOL, le on a un coup de pied. Bien LOL. Reçu, on va l'intercepter. Il y a une force surhumaine lui hein. Là-bas, on peut lui tendre une embuscade à cet endroit. Bravo, Hadès en approche. Bien reçu, Mitchell pose les charges. Ah ouais d'accord, moi j'aime. C'est moi qui m'y colle quoi hein. Ah mais si lui prend du temps. Mets-toi à couper et attends mon signal. C'était pas mal. Ah, on a pas le choix apparemment. Oh mais cher les amis. What? Oh non, j'aime pas cette arme là en fait, elle me saoule. Où est l'arme là? Mais c'est... Oh. Vous, quoi, vous me cherchez? Bah ok hein. Mais oui, le. Mais punaise, il y a une arme et après elle disparaît là. Hein? Ah, c'est ça qui tire comme ça? D'accord. Il est où le M11 que j'ai vu tout à l'heure? Ah, voilà.
Ah, t'es là, toi? Bah, bouge, hein. Allez. Punaise, ils sont combien, sérieux? Je vois le camion d'Adès. On y est presque. Empêchez-les d'approcher. Il meurt pas, lui, hein. Voilà. Ça me saoule. Oh là là, il y a trop d'ennemis. Eh ben attendez, il y a trop d'ennemis. Il y a trop d'ennemis, n'est-ce pas? Il n'y en a plus. Voilà. Oh, quel débile, oh, quel débile, oh, quel débile, oh, quel débile. Voilà. Oh non, non, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée. Mauvaise idée. Oh, ça devient chaud. What? Mais je prends... Mais c'est pas... Ah, mais d'accord, il est là, lui. Oh, mais non, mais... Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je perds tout le temps. Ah, bah ça va. On réapparaît là. Alors, toi, tu vas voir. Toi, tu vas prendre cher. Alors, toi, là... Là, tu prends cher direct. Ah, d'accord. 10h, 9h. Ils sont où, là? Et je t'ai vu, toi, hein. Oh, non. Reste là, toi. Assure-toi que les rues sont vides. N'approche pas d'Adès s'il reste des ennemis dans les parages. Ouais, mais tu parles doublement, là. On prend rien. Attention, KV1 en approche. Dépêche-toi, Mitchell, je te couvre. Oui, c'est bon, j'ai compris. Oh, merci. Attends, je vais te sortir de là. Oh. Je viens de confirmer. Hadès est éliminé. Je répète. Hadès est éliminé. Qu'est-ce qu'Irons sait? Bon, alors, on a pu finir. C'est quoi, tranquillement? Parce que vous êtes touché, réduit le 15. Ok, bon. Moi, je résistance parce que je suis pas assez résistant. Hein. Ah non, aux explosions. Oh non, j'ai esquivé. Hein. J'ai pas besoin de. On peut pas améliorer ça. Ok, j'ai peur. Bah, résistance. Hein. Attends, blindage. Activer la détection neuronale. Ouais. Augmenter la santé de 10%. Pff, ouais, c'est pas. Bon, allez, c'est important quand même la santé. Hop, voilà. Et point s'arrête là. Allez, on fait mission suivante.
Parce que là, je vous avouerai que je suis très très fatigué. Hein. Je ne suis pas surpris hein. Avec Noël et tout. Bref, on y va. La mort d'Hadès n'a fait qu'apporter de nouvelles questions. Mais l'essentiel est qu'il était mort. C'était le début d'un nouveau chapitre pour nous tous. Enfin, l'heure a sonné pour Joseph Chekhov, connu sous le nom d'Hadès, leader du KVA et instigateur des attaques dévastatrices qui ont secoué le monde il y a 4 ans. Nous avons récemment parlé à Jonathan Irons, fondateur et PDG d'Atlas International, la société militaire privée qui a réussi à localiser et tuer Hadès. Félicitations, vous avez réussi ce qu'aucun gouvernement n'a su faire. Merci Wendy, mais les vrais héros sont les hommes et les femmes d'Atlas. Je suis très fier de ce qu'ils ont pu accomplir cette semaine. On dit que les Nations Unies vont vous offrir un siège au Conseil de sécurité. Un avenir en politique se profilerait-il pour vous? Eh bien, je suis un homme d'action, donc non. Regardez par exemple la Nouvelle-Bagdad. Il y a 40 ans, la tête basse, nous avons laissé cette ville en ruine en quittant l'Irak. Et aujourd'hui, c'est la preuve de ce qu'on peut faire quand efficacité prime sur bureaucratie. Ces 4 dernières années vous ont plutôt réussi. À la suite des attaques du KVA, Atlas est devenue la plus grande société au monde. Et de plus, vous dirigez dorénavant la plus grande armée active au monde. Où s'arrêtera Jonathan Irons? Ça fait quoi d'être le nouveau sauveur du monde? Prends pas la grosse... Gideon, Mitchell, il faut que je vous voie tout de suite. Ilona? Qu'est-ce qu'il y a? Retrouvez-moi dans le local technique 6A. Venez seul. D'accord, on arrive. Je me demande ce qu'elle peut bien vouloir. Bonjour. Difficile de croire qu'on est à Bagdad. Il y a 2 ans, on pouvait pas sortir dans la rue sans se prendre une balle. Aujourd'hui, la ville est pleine de vie. Et c'est grâce à nous. L'équipe Echo a démantelé une autre cellule du KVA hier. Le réseau entier commence à se déliter. Hadès en était la clé. À ce rythme, le monde sera vite à court de méchants. C'est la retraite anticipée qui nous attend. Bonjour. T'es une antenne machin là. Je sens l'arnaque assurée, hein. Je sais pas pourquoi. Bref. Vous en avez parlé à personne d'autre? Non, pourquoi? Le brouilleur ne nous donnera que quelques minutes. Branchez-vous sur moi, je dois vous montrer un truc. C'est quoi ce bordel? Regardez-moi ça. C'est Irons, avec le technologue que vous avez sauvé. Le type qu'on a sorti de l'eau? Il n'est jamais rentré au Nigeria. Le KVA prépare une attaque. Ils m'ont tout raconté. Mais quel genre d'attaque? Sur des centrales, dans le monde entier. Ils voulaient que j'infiltre les systèmes de sécurité. Mais quelle cible ils comptent atteindre? Seattle, Paris, Tokyo. Des milliers de morts! Il faut prévenir quelqu'un! Non. Il faut qu'on prévienne tout le monde! C'est bon, ne vous en faites pas. Je m'occupe de tout ça immédiatement. Putain! Il savait. Il savait et il n'a rien fait. Plusieurs milliers de morts et ce salaud en a tiré profit. Où t'as trouvé ça? Hadès. Il a réussi à nous donner ça juste avant de mourir. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est vrai? C'était codé et chiffré avec notre propre algorithme. Ça vient d'Atlas. On est les seuls à l'avoir vu. Faut qu'on dégage d'ici. Vite! On l'a vu.
On est au courant. Vous avez vu quoi? Vous saviez pour les attaques. Tous ces gens innocents morts. Vous avez vu une vidéo truquée d'un terroriste? Vous êtes complètement fou, espèce de monstre! Vous m'avez vraiment déçu. Tout ce potentiel perdu. Qu'il reste ici jusqu'au départ des journalistes. Gideon. Oui, monsieur. Gideon! Tu l'as vu aussi. Il dit qu'elle est truquée. Il a choisi son camp. Restez où vous êtes! Écoutez, on a piraté vos exos. Vous devez me faire confiance. Dans 10 secondes, le système d'extinction des incendies sera activé. Préparez-vous à filer. Maintenant! Pas rester ici. Allez! Dirigez-vous vers la salle des serveurs. Qui êtes-vous? Un ami. Continuez d'avancer. Parfait. Les portes coupe-feu du sous-sol sont fermées. On peut pas intercepter les fugitifs. Ouvrez ces portes tout de suite. Une impasse. Attendez. Montez pour accéder au toit. On va devoir utiliser nos grippes magnétiques. Vont envoyer des drones. Une fois sur le toit, vous n'aurez que quelques secondes pour agir. On sera pris au piège là-haut. Faites-moi confiance. Les drones, cours! Il faut qu'on fiche le camp tout de suite. Par ici! Prends le contrôle des portes. Traversez le toit et passez par-dessus la rambarde au niveau d'ouverture. On est au quatrième étage. Maintenant! L'accès aux égouts est juste en face de vous. Allez-y. L'accès aux égouts est juste en face de vous. Allez-y. Je savais pour Jonathan Aaron et Gideon, je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit. C'était trop obligé cette histoire. L'histoire est trop classique, je le savais. Oh là, c'est trop obligé. Vous savez, vous en avez... Oui, bah attends, bah, excuse-moi, hein, je suis le plus vite que je peux. Hein. Traversez la vieille ville. Dirigez-vous vers les quais. Ils vont boucler l'ensemble de la ville pour nous retrouver. C'est pour ça que vous devez faire vite. Ils rassemblent les civils. On n'a pas beaucoup de temps. Par ici. Descendez dans la rue. Atlas, Atlas, vous repérez. Ils arrivent. Vieille ville. À couvert. Ennemi repéré au sud-ouest. Homme à terre. Suspect en vue. Allez, allez, allez. Ennemi derrière les palais. Ennemi au nord-ouest. Bah, elle est bien cette arme. Là-bas. Ah. Oh.
Lâche-la, toi, tu la lâches direct. Allez. Oh. Ah, faut courir, car. Ah. Les quais sont droit devant. Un bateau vous attend au bout du quai. Ok, d'accord, ok, bon, je vais m'arrêter ici, hein, parce que là, ça devient beaucoup, ça fait beaucoup. Bon, merci beaucoup de m'avoir suivi, on se retrouve pour une prochaine vidéo, soyez bénis, thanks, and comment.